211 mutualistes formés sur les règles de la mutualité, les produits et régimes complémentaires proposés aux adhérents de la MIGEFSI vont être déployés sur le terrain dans les communes et régions de Côte d'Ivoire. Ces conseillers consultatifs locaux de la Mutuelle des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MIGEFSI, sont mis en mission par le conseil d'administration de la structure. Ils devront sensibiliser les adhérents à la bonne pratique mutualiste. Corriger les dysfonctionnements qui pourraient se retrouver dans les zones de distribution de bons ou dans les zones d'accès aux prestations dans toute localité de Côte d'Ivoire. Ce sont des missions d'information où ils pourront former les mutualistes à l'effet qu'ils connaissent bien les règles mutualistes, mais aussi qu'ils connaissent les produits et qu'ils puissent faire de nombreuses souscriptions. Avant leur déploiement, ils ont été formés sur l'utilité du système de gestion des prestations en temps réel et de l'hygiène de vie. Les conseillers consultatifs locaux disent être engagés à mettre en pratique les enseignements reçus. Il faut pouvoir s'informer sur ses droits et ses obligations. Et nous avons tous l'intérêt de protéger cette mutuelle pour qu'elle puisse mieux s'occuper de nous. Nous avons déjà les prédispositions et donc avec l'aide de chacun, nous allons pouvoir remplir cette mission. 17 bureaux de conseil consultatifs ont été mis en place dans 4 régions et 1 district, à savoir les régions du Lodibois, du Sud-Koumoué, de l'Ayébi-Tiassa, de la Mé et le district d'Abidjan.